getting few checks, but in front, touches net! Claire Dalton gets to respond and, of course, make history. C'était le premier but de l'équipe de Montréal dans la Ligue professionnelle de hockey féminin, 2 janvier dernier. Et depuis, l'équipe ne cesse de gagner en popularité. Après avoir rempli l'auditorium de Verdun, la Place Belle, Kevin, ce sera au tour du Centre Belle bientôt. Oui, exactement. Et ce sera le 20 avril prochain. Écoutez, Sophie, les billets ont été mis en vente ce matin à 10 heures. Et ça n'a pas pris, ça a pris moins de 30 minutes pour tout vendre les billets. Donc, c'est un véritable succès. Vous l'avez dit, ce sera une première fois au Centre Bell. Il y aura plus de 21 000 spectateurs sur place. Donc, ce sera un record de la Ligue. C'est présentement Toronto là, qui détient le record avec 19 285 spectateurs au Scotiabank Arena. La maison, là, des Maple Leafs de Toronto, l'ennemi juré des Canadiens de Montréal. Donc oui, le succès de la Ligue est sans équivoque, mais celui de l'équipe de Montréal se fait ressentir chez bien des gens. J'en ai rencontré tantôt. Les Canadiens, on aime le hockey, là. Fait que c'est féminin ou... C'est sûr que masculin, on connaît plus le monde, mais éventuellement, on va... On apprend à les connaître. On va apprendre à les connaître. Et c'est nouveau, ça peut être intéressant à long terme, là. Est-ce que vous avez regardé un de leurs matchs? Oui, oui, à la TV, oui. Êtes-vous rendu un adepte? J'aime ça, oui. J'aime ça regarder, oui. C'est intéressant. Tant mieux, puis moi, je les encourage parce qu'elles sont très bonnes. Wow! C'est génial que les femmes au hockey vendent des billets à ce point-là. Je suis très fière de nous autres. On va battre un record. Ah oui, en plus? C'est super. Oui. Est-ce que vous les encouragez? Bien, je les encourage. Je regarde pas le hockey, mais c'est sûr que toute activité ou sport effectué par les femmes qui se démarquent, je vais toujours être derrière eux autres. Et ce matin, les prix des billets, Sophie, c'était entre 32 et 125 $ Et maintenant, sur des sites de revente, on en voit 3 fois le prix de ce matin. Un vendeur en profite toujours. Merci beaucoup, Kevin. Ouais.